Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Tu témoignes de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Je témoigne de moi-même, mais mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Le Père, qui m'a envoyé, est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père, qui m'a envoyé, témoigne de moi. Où est ton Père ? Vous ne me connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père aussi. Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Vous êtes d'en bas. Je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi j'ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu ? Celui que je dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire de vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné, ce qui lui est agréable. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres ? Je sais que vous êtes sa postérité, mais vous voulez ma mort parce que ma parole n'a pas de place en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez vu de votre père. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Moi qui ai dit la vérité, entendu de Dieu, pourquoi ne me comprenez-vous pas? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Votre père Abraham s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et tu as vu Abraham ? En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis.